Et salut tout le monde, c'est Benjamin et bienvenue pour déjà une nouvelle découverte sur un jeu Ubisoft encore? Mais quel est ce jeu? Il s'agit d'une licence très connue. La licence certainement phare d'Ubisoft. Il s'agit d'Assassin's Creed Mirage. Et je découvre. Oh là là, la musique! Stylé de ouf! Assassin's Creed Mirage, donc. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience sur Assassin's Creed, la licence Assassin's Creed en ce qui me concerne, tout en faisant cette découverte pendant une petite heure sur ce nouvel Assassin's Creed. J'ai vraiment l'impression qu'Ubisoft revient de nulle part hein, ces derniers temps. On a eu une très grosse période d'absence d'Ubisoft en termes de jeu et de qualité. Et là, du coup, bah, ils sont sortis The Crew Motorfest qui, je sais pas si en termes de vente, se vend de manière convenable parce qu'il sort quand même dans une fenêtre assez compliquée. Cet Assassin's Creed sort également dans une période compliquée. Parce qu'il sort au milieu de gros titres comme bah, il va y avoir Spider-Man 2 à la fin du mois, Lord of the Fallen, il y a quoi d'autre? Il y a Forza aussi, Motorsport 9, et Assassin's Creed, donc un très 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 gros mois d'octobre. Par contre, ils ont eu l'intelligence du coup de réduire le prix, leur tarif sur ce Assassin's Creed Mirage, parce qu'apparemment ce serait un épisode qui reviendrait aux sources. Et également avec une durée beaucoup plus faible. Et ils l'ont quand même appliqué sur leur prix. Sachant que c'est un jeu aussi cross-gen, donc il y a pas mal d'arguments pour que le tarif soit. J'aime beaucoup la musique. Donc il y a pas mal de raisons pour que le jeu soit. Je préférais la qualité qu'à la fluidité. Oui, je vous disais, il y a quand même pas mal d'arguments qui fait que le jeu soit proposé à un tarif plus réduit. Mais ils n'étaient pas obligés. Redémarrer le jeu pour appliquer les modifications? Vous foutez de moi? Je vais pas refaire mon intro. Où est-ce que ça l'a pris en compte? Ah bah il redémarre tout seul. C'est formidable. Donc voilà, un Assassin's Creed qui se passe à Bagdad. J'ai écouté beaucoup de tests. Je les ai pas vus hein, parce que du coup j'ai pas voulu me spoiler tout ce qui était visuel. Et toutes les capacités du personnage ou quoi que ce soit. Mais par contre, ce qui est marrant, et non, je ne veux pas me connecter à Ubisoft Connect. Non, merci. Ce qui est marrant, c'est que tous les vidéastes ont. Mais vous foutez de ma gueule! Ont à peu près le même discours. Effet de sang, oui, difficulté normale. C'est quoi ça? Ça, je vais le laisser comme ça. La langue de l'interface en français. L'audio en anglais? Oh non, vous foutez de moi. Oh mais ça va super vite. Je mets le jeu en arabe. Pourquoi? Bah déjà parce que ça se passe dans un monde un peu arabe. Enfin, ça se passe à Bagdad, donc il parle arabe. Et que surtout, apparemment, les voix françaises, le doublage français serait catastrophique.
Donc autant être immergé. Afficher les sous-titres, oui. Légende, activée. Non, non, c'est bon. C'est quoi oui et non là? Pourquoi c'est... Je comprends pas. C'est quoi la légende? On va voir. Hein. Et nous allons bientôt enfin pouvoir lancer cet Assassin's Creed Mirage. Au bout de 5 minutes hein, déjà. Donc on va peut-être lancer. Et après je vous dirai un peu plus. Mais vous foutez de moi, on va pas y repasser 15 ans. Je vais vous dire après par la suite mon histoire sur Assassin's Creed. Découverte complète, hein. Totale. ذات مرة عن الذاكرة. كذبت وقلت إنها ضاعت. خشيت من تعلم الدرس الخطأ. لكنه عاش مختلف الظروف وسنتعلم منه. عندما جاء إلينا لم يكن أكثر من لص عادي يجتهد لينجو في شوارع بغداد ويحلم بالأفضل ليس لنفسه فقط بل لكل المهمشين الذين رآهم يعانون فبينما عاش في عصر ذهبي في قلب الخلافة العباسية وذروتها فإن خدشت سطحها المذهب لوجدت العفن أسفله سعى تنظيم القدماء لفرض سطوته وإبراز وحشيته في البلاد كمستترين كما لقبونا قاومنا وضربنا عدونا في الخفاء صراع أبدي منذ قرون كان في قلب الصراع باسم بن إسحاق شرف العقيدة تحداها وعلينا الاقتداء به جميعنا يخلط بين الظلمات التي نسلكها والنور الذي نخدمه قد يأتي الوقت الذي نمتحن فيه مثله أخشى أن ذلك الوقت وشيك cette bestiole. Quoi? Et quoi, c'est quoi ça? برفقني يا باسم. تنفس. Ah, c'est lui, le héros. أكان الجنية مجددا. آه، وماذا أراد صديقنا هذه المرة؟ أن ينتزع اللحم عن عظامي؟ أن يتغذى على أحشائي؟ إنه لا يتكلم كثيراً لكنه يترك أثره ما زلت أشعر به يزحف على جلدي أنت تعرف أن ذلك مجرد وهم؟ انسي أمر الجني الآن إنه يوم جديد ولدينا عمل لننجزه ترك درويش عقدا آخر لمن؟ هم مجددا لجنينا مالا أكثر لو جلبنا التمر إلى هجر كفى يا نهال أين ما يمليه عليك الواجب؟ لن يملأ الواجب بطوننا صحيح لكنه سيثري وجداننا سأخرج Et nous allons enfin découvrir le jeu. Okay.
بناء أعظم المساجد لا يلزمه سوى بضع أدوات بسيطة. باسم، حرك قدميك. Tu vas te taire, femme. Dans ce pays, c'est pas toi qui décide. Ouais, je vais être. On va me foutre un ban. Ou on va me signaler, c'est pas possible. Oui, c'est bon. Je rigole. C'est toi qui décide. هلا تعد الى هنا يستمر ضوء الشمس في الانحسار فلنعجل قبل ان يطول بدرويش الانتظار لن اتحمل منه عظات اخرى العقود التي اثقل بها درويش كاهلك ليست بالقليله يثق بانني سافعلها اعلم يقينا انك تحظى بثقته لكن هل تظن انك تحظى بثقتهم اعني هذه الشخصيات الغامضه ارجو ذلك عليهم اثبات ذلك إنك تتحمل المخاطر كلها ولا يقدمون إلا القليل إنهم محررون يا نهال ليسوا تجارا أعرف هذه القصص ولكن لابد أن يكفي ثمن الحرية طعامنا Alors attends si tu te tais que je s'il te plaît que je regarde un petit peu les alentours Alors je suis un peu mitigé pour le moment Ok, c'est plutôt correct. C'est correct. C'est pas transcendant. Par contre, on a une distance d'affichage. Je suis en mode qualité. Il y a quand même du brouillard, là. On n'a pas une distance d'affichage de ouf, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Non ? Regardez, là-bas, ça fait presque un peu flou, hein. Et un peu brouillard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On va regarder un peu les animations. Classique. Classique et pas... Ah. Oula, attendez. Un peu bizarre là, non? Vous voyez pas qu'il y a quand il attrape son truc avec la main? C'est peut-être moi. Hein. Ouais, je suis bon. On va voir. Hein. Oh, excellent! Ça, c'était les trucs qu'on avait dans les anciens Assassin's Creed, là-haut, pour se cacher, je crois. Il y a des ânes. Tout ce qui est aspect sonore, ça a l'air pas mal, hein. Par contre, les animations, elles ont pas évolué d'un iota depuis... depuis 10 ans, quoi. Je vais vous raconter un peu ma life. Et après cette cinématique. بشأن هذا العقد، لا أريد منك أن تشعر بالضيق من كلامي. إنما أرجو مصلحتك فحسب يا صديقي. لا مانع من التصدي لمضطهدين كما يفعل المستترون. هل تظن نفسك بطلا من أبطال الغد؟ جلجامش القادم؟ لا. لست سوى ابن خادم للخلافة كرس حياته لتحسين أوضاع قومه فقط ليهمش وينسى لكن يشرفني أن هذا ظنك بي لربما أنوي أن أكون مثله ليس ذلك ما قلته على الإطلاق ذلك ما سمعته يا لهذه الحشود لابد من أن هناك أمراً مهماً. كالفول يدوس بس quelque chose. لقد إلى قصر الشتاء ومن المؤكد أن حاشيته الثرية هي التي تقود هذا الحشد. Alors j'appellerai pas ça une foule. Il y a quoi à tout casser 20 personnes dans tout le marché. Pas une foule hein. إني أسمع شائعات عن
حالة مزاجية مناسبة لتقديم التبرعات. أفهم ما تعنيه. قليل من خفة اليد لشحذ ذكائنا. إذا لم يكفي العقد لإطعامنا، فربما ستفعل الخلافة. Mon premier Assassin's Creed que j'ai fait était Assassin's Creed Black Flag. Et oui, je sais, j'ai attaqué par le quatrième et aujourd'hui c'est quasiment mon préféré. Mais ce n'est pas mon préféré. What? Il y a un truc qui est apparu sur la tenue du gars là. ترك التاجر كيس نقوده على الطاولة. إنه هدف سهل للبدء. Vision d'aigle. Ah. Voler la bourse. يحسن بالمغادرة قبل أن يلاحظ. 5 dirhams. Oh là là, bah tout ça pour 5 dirhams. عليك الاستعداد. سأنشل ما معهم. عين ثاقبة ويد رشيقة. صفتان لا يستهان بهما. سلام. يا باسم. La vision d'aigle comme ça, c'est vraiment un retour aux sources. Ouais, je vous disais, j'ai attaqué Assassin's Creed avec Black Flag. هناك. ذلك الرجل المزعج. لابد أن لديه شيئا ذا قيمة. Quoi? Ah, je dois lui dérober sa... J'ai pas compris. Ah, je dois déjà fuir. Je peux pas me cacher? Ils ont perdu ma position. Non mais attendez, je suis pas non plus pédophile du coin quoi, j'ai juste essayé de voler 5 dirhams. Zone interdite, oh là là, mais... bah dis donc, ça attaque fort. C'est bon, j'ai fini. Ils ont abandonné leur recherche. Je peux retourner. J'ai pas eu le temps de lire. Mais c'est pas possible, laissez-moi tranquille. Non mais attendez, c'est ridicule. J'ai même pas volé, j'ai essayé de voler. Non mais vous allez pas me tuer? C'est quoi ce délire? Et c'est quoi? Pourquoi les gens ils paniquent comme ça? Merde. Mais j'ai pas le droit de revenir. Mais laissez-moi au moins revenir. Comment je fais sinon pour le détrousser le marchand là?
On est à 20 minutes, on n'a même pas détroussé 5 dirhams. Ça promet, hein. On va faire en sorte que le truc s'enlève là en haut. Et après, normalement, je devrais être tranquille. Voilà, là, je devrais être tranquille. Je ne devrais plus me rechercher, c'est pas possible. On va se comporter normalement, sans courir comme un âne. Mais la vision d'aigle. Mais la vision d'aigle, comment on fait déjà? Voilà. Et on va essayer de revoler la bourse. Donc lui, il regarde là-bas. Non mais vous foutez de moi! Putain mais c'est pas possible! Non mais tue-moi, tue-moi! Je peux même pas me défendre, j'essaie juste de voler une putain de bourse! Mais c'est quoi ce délire? Il buggait le jeu! Bah dis donc. Recharger la dernière sauvegarde. Mais attendez! Attendez! Je veux bien fail, mais quand même! Mais c'est quoi ce délire? Je peux même pas faire le tuto! Laissez-moi faire le tuto! Non? Y a pas un souci? Je vais pas passer mon temps à me cacher parce que j'ai essayé de voler une bourse. Il y a une tasse qui vole. Santé, hein? Bon, bah dis donc, ça. Ouais, un peu mitigé quand même. Là, déjà, je vois. Ça fait seulement 15 minutes qu'on joue et j'ai déjà rencontré plein de problèmes. Surtout quand je peux dérober n'importe qui. Je suis Aladdin quoi. Je peux voler tout le monde. Voler une pomme pour manger. Détrousser les marchands. Tout ça pour 4 dirhams. Hein. C'est le roi des voleurs. Oh mais non, mais... Du coup, je vous disais, j'ai attaqué Assassin's Creed avec Assassin's Creed Black Flag. Et là, je suis tombé complètement amoureux de la série. Et je pense que honnêtement, je suis tombé sur le bon épisode. Je pense qu'il y avait également le 2 qui valait des tours, mais je l'ai jamais fait. Et je pense qu'un jour, je vais le faire. Ensuite... Putain, mais... Ensuite, j'ai fait Assassin's Creed Unity. Et là, c'était un peu... Comment dire ? C'était pas spécialement une déception Assassin's Creed Unity. Parce que malgré tout, ça c'est une nouvelle anime. Malgré tout, il y avait une vraie claque next-gen sur les graphismes, les animations et la foule. Parce que là du coup, on a eu une petite réflexion. Oh là là, vous avez vu la foule du marché? Je sais pas si vous vous rappelez d'Assassin's Creed Unity quand il est sorti. Hein. Alors certes, il était ambitieux, peut-être trop ambitieux au moment de sa sortie, parce que du coup, il est arrivé pas optimisé et du coup, il a eu une mauvaise pub. Mais, en termes d'animation, en termes de claque next-gen, en termes de foule, on n'a pas eu mieux en termes d'Assassin's Creed. On n'a pas eu mieux aussi en termes de mal-optimisation, certes, mais on n'a pas eu mieux en termes de claque graphique. Claque graphique pas optimisée, buggée, tout ce que vous voulez. C'était ambitieux, mais incroyable. J'aime beaucoup Unity pour... Et je continuerai à le défendre. Kana ala ahadin tadbiru at-ta'am.
Et je continuerai à le défendre corps et âme ce Assassin's Creed Unity, que j'ai terminé et que j'ai apprécié. اذهب الى سايدة انها تستخدم الكثير من الزبد انها تفعل ذلك حقا تبدو منهكا هل انت بخير امر هين ستعالجه مغامرة صغيرة ماذا يريدون دفتر شحن بحري في الميناء لا قيمة له في حد ذاته لكن المعلومات المدونة فيه شديدة الأهمية عندهم منتهى السهولة أليس لديهم ما هو أصعب من هذا يمكنني القيام بالمزيد دع عنك التفاخر حراس الخليفة هنا بأعداد كبيرة وحري بك تذكر ذلك إنك تهتم لأمري الآن أكثر مما كنت تفعل في بغداد اهتمامي لأمرك لم يتغير لكنني كبرت وأصبحت عاجز عن إخفائه فلتحضر ذلك الدفتر ولتفعل ذلك بسرعة نحن لم نتحدث عن أجري ولا نتحدث عنه ليس قبل إتمام العمل إنك تعلم طريقته يا للصدمة ما هو إلا رسول وأنت مجرد ساع لذلك الرسول فلتقم بهذه المهمة بنفسك Ensuite, j'ai terminé Assassin's Creed Origin, et là, je peux vous le dire, c'est clairement, mais de loin, mais de très 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 loin, mon épisode préféré. Parce que tout simplement, Origin, c'est, ça se passe en Égypte, et c'est certainement le pays qui me donne le plus envie, qui me fait le plus rêver. C'est un rêve de gosse en fait, l'Égypte, parce qu'il y a plein de mythes, j'ai toujours été très fan de tout ce qui était pyramide, Égypte antique, désert, etc. Enfin, même la mythologie égyptienne qui était pour moi incroyable. On était dans une époque de rêve où c'était la fin du règne égyptien avec Cléopâtre qui était la dernière reine d'Égypte, avec César, etc. La fin de Assassin's Creed d'origine, je ne vais pas vous la dire, mais le dernier assassinat qu'on réalise, pour moi, c'est magistral. On ne pouvait pas mieux terminer le jeu que ce qu'on a pu vivre. Franchement, un 21 sur 20 c'est Assassin's Creed Origins, sachant qu'en plus il avait pris le pas de devenir un peu plus RPG, un peu à la The Witcher, et je trouve que c'est un tournant qui lui a plutôt réussi, jusqu'à ce que... أمهل المعاونين المسؤولين عنها حتى مساء الغد إذا لم يحضروا فقد نسوا أمر بضاعتهم احتفظ بما يروق ناظريك وتخلص من الباقي jusqu'à ce que Assassin's Creed Odyssey sorte mais cache-toi accroupir c'est bon je suis accroupi على رسلك On peut porter les ennemis. Voler le registre. Donc là, on va se la faire fou là. On va le prendre et on va le planquer dans l'herbe. Mais lâche-le! Voilà. Assassin's Creed Odyssey, qui n'était pas un mauvais jeu en soi, parce qu'il avait le mérite de faire un peu un compromis entre Black Flag et Origin. Donc en soi, deux épisodes incroyables. Hein. Sauf qu'il a fait de l'extrême à... Enfin, pour moi, c'était une... Trop. C'était trop grand, trop imposant. Je sais pas où je dois aller. Je dois aller là-bas. Toi, je vais t'assommer. Parce que j'ai pas envie que tu me poses de problème. Et
Que des dirhams à voler? 2 dirhams. إنه مغلق سيعطلني قليلا. آه comment je fais pour savoir qui a la clé? Quoi? Mais ça veut dire quoi ça? Et vous il l'a repéré? Ah oui, non. Et ouais, pour moi, à partir de Assassin's Creed Odyssey, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Est-ce que toi, t'as la clé? Non, il n'a pas la clé. Alors par contre, j'ai peut-être une meilleure vision d'ici. Mais je les ai tous, là. Les gardes. Ah non, il y en a un là. À tous les coups, c'est avec lui. Vous allez voir. Non. Ah non, mais il y en a plein encore des gardes. C'est lui qui a la clé. Essayer de contourner les choses un peu. Je peux rentrer par là ou pas? Visiblement non. Peut-être par au-dessus. Mais par où je rentre? C'est là lui. Et on peut peut-être monter après. À l'étage. Non. Des dirhams. Donc ouais, Assassin's Creed Odyssey, pas fan. Pas fan alors qu'il avait tout pour me plaire. Hein. Mais je sais pas, l'univers me plaisait beaucoup moins. Alors attendez, on va attendre qu'il passe ce bourricot. Je t'assomme et je dérobe la clé. Parfait. Bon, maintenant qu'on a quasiment buté tout le monde. À la porte verrouillée, c'est bon, je sais où elle est. Pas besoin de faire semblant. هناك لعل ذلك ما أبحث عنه ما الأسرار التي دونت في هذا الدفتر يا ترى ربما أستطيع الضغط على العجوز المتذمر درويش ليحمي ببعض أسرار العقد ها يا كوفر aussi piller le coffre 21 dirhams bon bah super on peut se barrer hein on a aucune raison de rester maintenant. On peut même y aller en courant là.
Et on termine du coup avec Assassin's Creed Valhalla. Que j'ai pas spécialement accroché plus que ça, honnêtement. L'univers viking pouvait m'intéresser, il y avait des trucs cool aussi. Avec on va dire la mythologie nordique, mais je suis pas rentré dedans. Je sais pas vous expliquer pourquoi. Mais en fait, ce qui m'a surtout saoulé dans Assassin's Creed Odyssey et Valhalla, c'est la durée de vie qui était un peu trop gargantuesque, jusqu'à en vomir en fait. Odyssey, j'y ai joué quand même plus de 40 heures, voire 50 heures, et j'en voyais pas le bout quoi. Tandis qu'Origin, pour moi, avait la durée de vie quasi parfaite, à peu près 30 heures, 30-35 heures de jeu, ce qui était largement suffisant. Et là, sur celui-là, on serait à peu près à, normalement à 13, entre 15 heures de jeu, 13-15 heures de jeu. Donc là, par contre, ça me paraît un peu court pour le jeu, mais bon, à voir. Écoutez, je vous ferai certainement un retour là-dessus. Une chose est sûre, c'est que du coup, ben, 15 heures de jeu, ça se termine plutôt facilement, donc à voir. سأرى ماذا سأفعل. إنها مهمة على ما يبدو. ساوم على أجر أعلى. صحيح. باشم، في الوقت المناسب. أحضرته معك؟ وبدون جلبة. إلي به إذا. أنت واحدة منهم؟ ها هو. يبدو كأنهم أوصلوه صباح هذا اليوم. أوثقة أنه الصندوق المطلوب؟ أنا متأكدة. أعطي الصبي أجره. إذا احتجت سرقة شيء فأنا المنشود. درويش يضمنني. كلفني بتنفيذ جميع عقودك. انتهى دورك إذن. بوسع المزيد. مات اثنان من خيرة رجالي في مسعاي، ولن ينجح لص شوارع فيما فشل فيه. دعيني أنضم إليك. لديك مكانان شاغران. Mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il veut absolument s'engager dans la... لقاء هذه الإهانة علي أخذ نصف الأجر. شكرا يا درويش. أصغي يا باسم، إن أردت الاستمرار في العمل لدي فعليك الاختفاء وإغلاق فمك. Oh là là, les sous-titres, ça me plaît pas trop, hein. Tu sais enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment les... Yeah, ça aurait pu être travaillé un peu mieux, quoi. Enfin, les phrases qui se coupent en plein milieu avec juste un peu trois mots pour terminer la phrase, quoi. استميت يا نهال انا بارع فيما افعله. ستكون تلك المراه محظوظه بانضمامي اليها. لكنها لا تريدك. انت لص شوارع متسخ القدمين. لما العناء؟ لما تواصل اقحام نفسك في هذا الطريق؟ لان لصوصيه الشوارع ليست اسمى طموحي. لدي ما أقدمه إلى العالم غير أنامل الرشيقة. إنهم لا يدركون ذلك بعد فحسب. أوشكت يا جاسم. ما هذا؟ أها، هذا أحدث ابتكاراتي. إنه يساعدني على إبعاد التجار الغاضبين حين يرونني أفتش في بضائعهم. سأعد نفسي ناجياً. رائحتك كريهة. ما هذا؟ كنا نصطاد في الميناء منذ الصباح وكان الحظ عنيدا. الميناء؟ ألم ترى أو تسمع جلبة بشأن صندوق؟ نعم، صندوق أسود جميل للغاية. أخذه حراس ضخام إلى القصر. شكرا لك يا جاسب. شكرا. Je crois que ça veut dire merci. Je connais rien en arabe, mais je crois que ça veut dire merci. إنهم يريدون الصندوق وسأذهب لإحضاره إليهم وسيعرفون قيمتي. لا فائدة من إقناعك، أليس كذلك؟ لنفعل هذا معا إذن. إذا أمسكوا بك عند قصر الشتاء فسيقتلونك فورا. نحتاج ممرا آمنا إلى الداخل. وأنا أعلم أين يمكن أن نجده. هذا إن أمكنك اتباع خطايا على سبيل التغيير.
Je veux juste te parler, c'est ça ma mission ? لا تتورطي في هذا يا نهال. أدرك شعورك تجاه هذا الأمر. إنها حماقة مطلقة. لكن يبدو أنني لن أستطيع إيقافك. ولهذا سآتي معك. وسأزعجك حتى تقرر ترك فكرة سرقة الصندوق من قصري الشتاء الخاص بالخليفة. حين تقولينها بهذه الطريقة أشعر بالإثارة. هل سنذهب أم لا؟ Allons au palais d'hiver. سأتبعك. إنها خطة مجنونة يا باسم. ولو افترضنا أنك نجحت ورحبوا بك في صفوفهم، فماذا بعد ذلك؟ هل ستنسانا؟ بالتأكيد لا. نهال، إن مصلحتهم هي مصلحتنا. أنت وأنا وسائر المنبوذين الذين يقيمون في الشوارع ويعيشون على الفتات والمياه القذرة. بوسعي أن أكون الأداة التي تنتشلنا من بؤس تلك الحياة، الأداة التي تجعل جاسب يحسن استخدام مواهبه ليكون حرفياً خبيراً، أداة تضمن أن لا يتعرض الرجال الصالحون للنبذ مثل ما تعرض أبي، وتبدد حيرة الأطفال وخوفهم مما يحمله الغد لهم. أتفهم ما تحاول قوله يا باسم، لكنك ترسم صورة لعالم لا وجود له. أخالفك الرأي في هذا. Je me fonds. Je m'assois sur un banc. Je suis invisible. Je suis invisible. Je m'assois. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Je suis assis, on me voit plus. Le roi des voleurs d'Ambarde. وصلنا لننتظر حلول الليل. Bah attendons la nuit. Ça nous permet de voir un peu les environnements de nuit, ce que ça donne. ألا يذكرك مكان وقوفك بذكريات جميلة؟ منذ زمن ليس ببعيد كنا نعد غنائمنا في هذا المكان في وقت مشابه لهذا الوقت تحت جنح الليل. حينها كانت المخاطر أقل. وكذلك كانت الغنيمة. حسناً، قبل أن تطالب بغنيمتك يجب عليك الوصول إليها، وكما أرى سيتطلب هذا الأمر قدراً من الإبداع. يمكننا البوابة الأمامية. وأخبرني إلى ما سيؤول الأمر. إلى أين أنت ذاهبة؟ لدي فكرة ذكية. إذا لم يكن لديك مثلها فيجدر بك أن تتبعني. مهلاً. Infiltration au palais d'hiver. Ceux qu'on ne voit pas ont besoin d'un coffre, sont volés. Jassib a vu des gardes l'apporter au palais d'hiver. On ignore ce qu'il contient, mais si le calife est mêlé à l'affaire, le risque est justifié. Cherchez des moyens de vous infiltrer dans le palais. Ok. On va essayer. حل الظلام المنشود هيا بنا نهال هل تتبع خطايا يا باسم؟ قرار رشيد جدا أعلم أنك تكرهين أن تكوني وحيدة Est-ce qu'on les assommerait pas là ? Non, pas la peine. Est-ce qu'on peut l'assommer elle ? Ou est-ce qu'on peut assommer que les gardes ? Ok, visiblement il faut passer par là. C'est très scripté. C'est assez clair quoi dans le level design, le chemin qu'on doit suivre. En gros, on se balade dans les roses quoi. Ah, il y a le typhus. Non, je plaisante. Elle tousse parce qu'il y a trop de poussière. Je
fuis, toi. Ok. Je remets le glaçure. Putain, mais on l'attaque? Non, elle veut pas. Je te suis, hein. Chercher une autre entrée. Moi, je la suis, elle. J'aurais préféré peut-être prendre l'autre entrée, mais bon. Mais ça, c'est la voie facile, un peu, j'ai l'impression. Bon, on y est. جيد قد يدخلنا هذا الباب الى القصر لن يدخلنا دون مفتاح فتش في الارجاء Ah bon sang, c'est reparti. Ah bah il est juste à côté cette fois-ci. Eh merde! J'aurais mieux fait que d'assommer. Le roi du fel, le roi des voleurs. Caché. Et il a crié, il s'est rien passé. Incroyable. Merde, quel con. Bon, ils ont une vision que... aussi important que qu'une truite. Je suis le roi des voleurs. Alibaba et les 75 voleurs. Moi j'en fais 75. الفتى متحمس إنها أول مرة له في القصر فليتجول كيفما شاء برأيه ينبغي أن يكون هذا المجلس مختصرا عليها أهو هيا من هناك الخليفة في انتظاركم Je voudrais être calife à la place du calife. وصلوا يا مولاي. فلتخرجوا جميعا. سألتقي بهم وحدي. أبتاه، اسمح لي بالبقاء. خذوا. يبدو ثقيلا. لن نستطيع إخراجه من القصر. إذا سأضطر إلى أخذ ما بداخله. أيها السادة، مرحبا، كل شيء مرتب. أعلم أن لهذا شأنا كبيرا عندكم، فلتطمئنوا إلى بقائه مصونا هنا. لن نرضى بأقل من هذا.
سننجز أعمالنا ونعود إليك عندما نكون على استعداد. استعد أيها الخليفة. أيمكنني رؤيتها مرة أخرى؟ محتوياتها؟ لحماية الصندوق بأرواحنا فيجب أن نعلم. لم تر شيئا من هذا ولم تقل شيئا، أهذا مفهوم؟ نعم بالتأكيد، انسى ما قلته. ما دي دونك الكاليف تي متيت حامت فرصتنا تي متيت توت بتيت. On va voler le contenu du coffre. هناك شخص قادم. من هنا المكان آمن. لم أتخيل أني سأدخل هنا قط. انظر إلى هذه الأقواس، يمكنك نزع قطعة منها وبيعها مقابل الكثير من الذهب. ألم تحضر معك بالمصادفة فأسا؟ سأتذكر ذلك في المرة المقبلة التي نقتحم فيها قصرا. لا بأس. tellement bien protégé qu'il y a personne. افتح، اسرق، اهرب. أسرع باسم. quoi باسم. أعطني هذا. لا لا. ألديك فكرة عما سيفعلونه بي؟ أرجوك أرجوك سامحني. هذا خطأك. توقف أرجوك. أيها اللص الحقير. لا أركض. نهال انتظري. أبتا أمسك الفتى. فيت. لقد مات الخليفة. أمسك الفتى. أنفه سأواند المنطقة. اعتذار. Pourquoi ça explose? Mais bon sang! On va attendre, hein. من المحتمل أنها عادت إلى الديار. Il reste 5 minutes. Quel flop. Le conflit, oh là là.
Mais allez! Nihal, هل انت هنا؟ On va attendre. Parfait. Nihal. Bon, écoute, c'est ce que j'en pense, c'est que je suis très mitigé. Hein. Sur la première heure, mon Dieu, que c'est laborieux. Et c'est pas une claque. Il hein. n'y a pas d'amis. Enfin, 3 ans de sans Assassin's Creed pour avoir ça, mon Dieu. Premier retour et premier avis très mitigé. Alors, je comprends bien que c'est le prologue, mais quand même, pour une première heure, c'est très laborieux. Hein. Mais très, très, très laborieux ce que je viens de faire. Hein. Pas du tout plaisant non plus. Hein. Écoutez, je vais être franc avec vous, j'ai pas passé un très bon moment. Ni non plus un émerveillement. Alors, je vais le faire. يا باسم نهال ليس بالضبط أنت بخير؟ جيد لأنني أريد منك إخباري بشأن هذا لا أعلم ما تقصدين قل لي ما الذي حدث الصمت ليس في صالحك الآن لا أتعمد الصمت لكنني لا أستطيع شرح ما رأيت تلك الأداة كان لها تأثير علي لقد كنت في مكان آخر مفزوعا وأشعر بالبرد وقبل أن أدرك الأمر انقض الخليفة علي وأمسك عنقي بيدي كان حادثا لم أقصد أن ما أردت إلا المساعدة علينا إخراجك من هنا لدي قارب في الميناء الغربي ماذا؟ لا أستطيع المغادرة يجب أن أعثر على نهال كف عن هذا وفكر يا باسم حرس الخليفة يبحثون عن قاتله إنه لص شاب أوصافه كأوصافك لن يتوقفوا عن البحث حتى يعثروا عليك وحين يفعلون لن يلقوا بك في زنزانة بل في قبر ضحل سأمنحك فرصة ثانية استغلها نهال درويش جميعهم في خطر Bah écoutez, on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. Ça se trouve qu'il va y avoir une révélation assez folle à ce moment-là, mais on va quand même s'arrêter là parce que il me reste plus qu'une minute pour m'exprimer. Je suis actuellement pas convaincu par ce prologue d'Assassin's Creed Mirage. Bref, je vous donne rendez-vous pour un futur Game Over sur ce jeu. Peut-être que mon avis aura évolué, je l'espère. Mais voilà, enfin... C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Bon, allez. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Mais je pense que ça se voit, je suis blasé, quoi. Allez, ciao, ciao!